la famille des Liliacées, le genre Aloé est celui qui comprend le plus grand nombre d'espèces. Elles ont toutes la même configuration. Des feuilles étroites et longues partent toutes de l'apex, ce qui la fait ressembler souvent à un agave. Et elles ont souvent créé la confusion. Pourtant, il est très facile de les reconnaître. Il s'agit simplement de sectionner une feuille pour s'apercevoir que les aloés n'ont pas de fibres dans les feuilles. Et l'intérieur de ces feuilles n'est simplement que la réserve de sucre du genre aloé, ce qui la classe parmi les plantes succulentes, alors que les feuilles des agavacées ont toutes plus ou moins un très grand nombre de fibres dans leurs feuilles. Ce qui est possible de classer cette famille des agavacées dans l'ensemble des espèces plutôt parmi les plantes xérophytes, alors que la famille des liliacées et les aloés en particulier n'ont pas de fibres dans les feuilles. En plus, les aloés refleurissent tous les ans, ce qui n'est pas le cas pour les agaves. La difficulté pour le genre aloé, c'est l'identification des espèces, qui sont très nombreuses. Et voici des photos d'aloés extraites de notre photothèque.